Je suis pas de tout sûr s'il faut parler français ou espagnol. Français? Okay. De toute façon, j'ai des petites remarques. Je ne vais pas faire une grande conférence. Ce que j'ai pensé faire, comme à la fin, les interventions étaient assez différentes l'un de l'autre, hein, c'est de poser quelques questions que je pense que sont aussi une résumé de ce qui était dit. En même temps que ce sont les grands thèmes que moi je voyais ou crois que je crois avoir entendu pendant ces journées. Et la première, c'était pourquoi les étrangers sont dangereux ou ont besoin au contraire d'être défendus. Quel est le problème qui se pose dans la présence des étrangers? Et soit comme j'ai dit, pourquoi ils sont dangereux, soit pourquoi ils ont besoin d'une protection. Et de là, bien sûr, la question qui sont les étrangères, mais pas dans le sens que mon travail citait, regardez, mais plutôt dans le sens des et quelle est la communauté qu'on imagine qu'un homme qualifié des gens des externe ou interne. Et je pense que les débats maintenant de cet après-midi étaient très, très clairs à cet égard. Si les juifs séfardis faisaient partie ou non de la communauté espagnole, et pourquoi à cause d'une culture, hein, peut-être plusieurs fois des langues, mais pas nécessairement, si les catholiques méritaient des défenses de consuls espagnols. Alors, c'est ce qui est mis en jeu ici, c'est quelle est la communauté dont les consuls visent. Peut-être trop rapidement, on pense la communauté étatique, la nation, mais peut-être c'est pas de tout ça. Au début, peut-être c'était la nation marchande, après c'était la religion, c'était les gens qui étaient loyaux envers un roi. Je ne sais pas, mais il y a toutes ces possibilités. Et je pense qu'il ne faut pas prendre automatiquement la conclusion que les consuls, c'est une chose comme on s'appelle nation, nationale ou étatique. Et je pense que les communautés qui sont liées à une consul, autant comme les communautés dont font partie les étrangères, ils sont étrangères dans quel sens, pourquoi, et peuvent être modifiées dans des divers contextes, diverses époques. Mais moi, je pense aussi, et ça c'est une nouvelle obsession en moi, que c'est ce qui est très intéressant dans la catégorie d'étrangères, qui cette catégorie est utilisée aussi pour classifier des gens qui sont dangereux à l'intérieur de pays, même s'ils ne sont pas proprement dits, selon notre critère actuel, des étrangers. Alors, j'ai travaillé un peu après cette livre, comment les gitans, comment les gens d'ascendance africaine sont retraités comme des étrangères. Alors je vois une relation très intéressante entre dangerosité et protection étrangère qui est vraiment très, qui va au-delà de qui sont ces étrangères et qui est vraiment presque sémantique, je dirais, que je trouve très intéressant. Et dans la même question, on a parlé beaucoup ici de la loyauté. Alors, loyauté envers quoi exactement? Et ce que je trouve intéressant dans la conversation dont Arnaud a parlé, la loyauté, c'est vrai que les étrangers prêtaient serment au roi, mais en réalité, ils prêtaient serment à la constitution espagnole, dans le sens des lois espagnoles, et pas qu'au roi. Et je pense qu'en Espagne, il y avait une notion de loyauté qui était envers les régimes légaux et pas simplement le roi. Tandis qu'en France, je ne suis pas sûre. Alors je pense que la loyauté, quelle communauté, quelle loyauté, envers qui, c'est des questions très intéressantes qu'on pourrait travailler. Après, une autre question. Et là, peut-être, se pose aussi, c'est une idée que j'avais déjà avant, que toutes ces catégories ne sont pas blancs et noirs. Il y a un continuum où il y a des parfaits membres de la communauté, n'importe quelle communauté c'est, ou des gens qui sont parfaitement loyaux, et des gens qui ne le sont pas du tout.
mais il y a toute une gamme de possibilités au milieu qui, après, quelquefois, reçoivent des noms particuliers et quelques autres fois non. Alors, je pense les sujets qu'on a mentionnés, qui ne sont pas citoyens ou nationaux, les étrangères naturalisées, les étrangères domiciliées, les étrangères, ça semble, pour moi, sont des degrés des pertinence. Et moi, je trouve très intéressant repenser cette idée d'étrangère et non étrangère à partir d'un continuum et pas à partir de où. Autre point que je pensais qui était mentionné ici, c'est cette question orale écrite et connaissance locale, connaissance métropolitaine. Cette idée qu'on a maintenant, que l'écrit est plus clair, est plus fixe, qui est tout à fait fausse aussi, parce que toutes les linguistes vont nous dire toujours que l'écrit, c'est flou, ça a multiples significations, mais on pense toujours que l'écrit... Je me rappelle, je donne des cours d'histoire des droits, et quand je parle de la Révolution française, je dis toujours cette idée, cette rêve, qu'il y aura une loi avec une seule signification. Et que tout le monde sera d'accord sur les sens du mot, des phrases, et alors des lois. Et bien sûr, c'est impossible. Peut-être si ça aurait été dans la langue mathématique, peut-être, mais dans les langues humaines, ça n'arrive jamais. Que tout le monde soit d'accord sur les valeurs des mots et des phrases. Alors, je trouve très intéressant. Qu'est-ce qui change vraiment dans le passage de l'oral à l'écrit? Est-ce que quelque chose change? Est-ce que jamais on arrive à que dépendre de l'écrit? Cette liste fameuse qu'on a mentionnée. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est un processus très long. Et les registres, mais il y a aussi, toute la dépendance des documents en général. L'idée que si on emploie des notaires, des escrivanos, ça vaut quelque chose de plus que l'écriture normale. Moi, je trouve toutes ces relations très intéressantes et je pense que ça apparaît aussi dans le narratif qu'on a entendu parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'État moderne essaye de faire de différent? Est-ce qu'il réussit à changer la nature des choses parce qu'ils sont maintenant écrites, parce qu'il y a des listes? Une autre chose qui est, et alors je voudrais mettre en cause une transition de l'oral à l'écrit, et je voudrais qu'on interroge si ça arrive et quel est le sens et si vraiment ça change les choses. Mais du même côté, un grand théorie qui existe toujours dans l'histoire moderne, c'est la transition de juridiction personnelle, juridiction territoriale. Non, les rois qui avaient des vassaux et après avaient des états, l'état moderne. Non? Et je pense que tous les discours sur les consuls montrent très bien que c'est une fausse dichotomie aussi, parce que pour moi, et l'histoire des consuls, c'est la continuation de juridictions personnelles qui va au-delà des juridictions territoriales. Et moi, je me demande comment ça fonctionne ensemble. On n'a pas du tout parlé de ça, mais ça donne des conjonctures très intéressantes aussi. Et aujourd'hui, on pense les consulats comme territoires étrangers. Si on entre dans le consulat français à Madrid, en théorie, on est dans le territoire français, en théorie. C'est pas du tout vrai, mais c'est presque vrai. Au passé, ce n'était pas du tout comme ça. Les consuls n'avaient pas une... Il y avait une juridiction personnelle. Alors, moi, j'ai des demandes sur cette grande narrative. Je pense qu'on pourrait travailler sur ça. Un autre narratif qui était mentionné ici, c'est cette idée que la nation est née et dans l'extérieur. Il y a toute une narrative, au moins, des études coloniales auxquelles j'appartiens, que les premières espagnoles étaient définies en Amérique. Et que c'est toujours quand on sort de chez un où on trouve sa propre identité et que les nations européennes sont nées en Outre-mer. C'est une grande narrative des études coloniales et postcoloniales. Hein.
Moi, je trouve aussi très intéressant le jeu que vous avez fait ici pour demander qu'est-ce que c'est vrai. Ce sont des identités, ce sont des usages presque cyniques, des contextes, des possibilités, des utensiles qui aident aux gens à voir ce qu'ils vont. Ce sont des identités. Ils sont nationales, ils sont conjoncturels. Et est-ce qu'il y a le choix? Parce que tous les discours que vous avez faits, il semble qu'il y a un choix. On pouvait décider. Est-ce qu'on peut décider? C'est qui décide? C'est l'État qui décide? C'est l'individu qui est en cause qui décide? Il y a le travail commun des institutions individus, de la société d'alentour qui décide? Est-ce que c'est une décision qui est faite une fois, deux fois, toujours, tous les jours, chaque minute? Et une autre chose, ça, c'est de nouveau, c'est un peu l'histoire des historiens des droits. Et aujourd'hui, on parle de droit privé, droit public, droit national, droit international. Et c'est bien sûr que toutes ces histoires de consuls, c'est tout cela. C'est privé, c'est public, c'est national, c'est international. Et comme juriste, je trouve ça très intéressant. Parce que les consuls étaient à la fin nommés par l'État, mais ils n'étaient pas toujours nommés pour l'État. Ou pas nécessairement nommés pour l'État. Et ils étaient intéressés aux droits privés, aux histoires d'héritage, des contrats, mais aussi de droits publics, les statuts des gens. C'était droit national. Théoriquement, c'est les consuls français à Cadiz qui décidaient qui est français, mais pas vraiment, parce que les autorités espagnoles pouvaient intervenir. Alors moi, je vois toutes ces couches et légales qu'aujourd'hui on sépare très nettement, qui en réalité sont mêlées là, et je trouve très intéressant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est l'actualité de toutes ces qu'on a entendues aujourd'hui. Parce que je pense au débat actuel sur l'immigration et là où il y a vraiment ce débat sur le choix. Est-ce que les gens choisissent où aller? Est-ce qu'ils peuvent choisir? Est-ce que les sociétés ou l'État qui modèrent ou possibilitent leur choix ou la société de l'entour? Et il y a toujours des questionnements de la loyauté de ces gens qui se bougent d'un endroit à l'autre. Je les ai appelés dans mon livre « Buenos y malos immigrantes », mais je pense que c'est toujours comme ça. Et les gens qui veulent être intégrés, c'est qui ne les veulent pas. Mais la question que moi je me pose toujours, c'est comment on sait s'ils veulent ou non, qui décide, quels sont les signes qu'on veut ou on ne veut pas, qui doivent prouver, est-ce que l'examen qu'on fait est individuel sur chaque individu, on décide que tous les musulmans, je viens des États-Unis, alors ça c'est très à la mode, sont d'une manière ou d'autre, ou est-ce qu'on décide chacun pour chacun? Alors je pense que ces genres de questions sont presque plus importants que cette idée très générique, qu'il y a des gens de bien et des gens de mal. Et comment on concrétise ces critères dans des situations concrètes et qui tient la poids de la preuve, on dit en français, et les devoirs de prouver s'ils sont bons ou mauvais. Et la charge de la preuve, je trouve très intéressant parce que moi j'ai l'impression que maintenant, et nous donnons ces charges de preuve aux immigrés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une présomption qu'ils ne sont pas bons. Et c'est eux qui doivent prouver qu'ils les sont. Et alors je trouve tous ces jeux-là très intéressants. Et je pense que tous ces débats sur le consul possibilitent de regarder ça aussi. Non seulement les enjeux et les contextes où ces choses passent, mais vraiment, quel est le discours et quelles sont les pratiques. Et je pense qu'il y avait beaucoup ici sur la pratique, mais peut-être pas suffisamment sur le discours, je dirais.
Et je pense que toutes les deux, et il faut les repenser ensemble. Voilà ce que j'ai à dire, mais c'était très intéressant. Merci de m'avoir fait venir écouter tout cela. J'ai beaucoup appris.